Rodrigue, 15 ans de l'autonomie dans la République de Maurice. Nous avons voulu vous proposer des extraits de cette grande fête et quelques explications pour mieux comprendre ce système atypique qu'est l'autonomie. Rodrigue est une île paisible, tranquille, et nous vivons vraiment notre autonomie et qui nous donne la chance de voter nos lois et de pouvoir décider pas mal de choses ici. Donc je vous invite à venir nous visiter et pourquoi pas participer à notre fête, à notre grande fête annuelle tous les 12 octobre. Pour fêter cet anniversaire de l'autonomie, l'administration rodriguaise a organisé différents événements, dont une grande marche et un spectacle. La fête de l'autonomie, on appelle ça la journée de Rodrigue. La journée de Rodrigue où on célèbre l'anniversaire de l'autonomie parce que c'est un événement très important pour nous, parce que cela nous a permis de prendre en charge notre développement, de prendre en charge notre destinée, de prendre en charge la direction qu'on veut que notre pays prenne. Donc c'était très important pour nous, Rodrigue, la journée de Rodrigue, parce que quand on célèbre cette journée, c'est une journée où on met en avant les accomplissements depuis les 15 ans passés, depuis les années passées pendant l'autonomie, mais aussi où on se remémore de cette lutte de 25 ans qui a commencé en 1976 avec nos grands-parents. Rodrigue, île autonome, est assez... Il y a une culture différente, mais quand même, nous considérons que c'est une richesse pour la République de Maurice. L'autonomie au niveau musical, au niveau, on peut dire que avant la culture était dans la main de Maurice, le ministère des Arts et de la Culture, c'est eux qui décident. Là maintenant, du coup, on a notre propre commission des Arts et de la Culture. Là, c'est eux autres qui décident, qui gèrent des festivals, qui gèrent d'événements artistiques bien organisés. Mais pensez, l'autonomie au niveau de la culture amène beaucoup. On peut dire au niveau de la musique, au niveau sculpture, au niveau artiste peintre, au niveau culinaire, art culinaire. En fait, toutes sortes d'art. Et ça, l'autonomie, l'in permet tout ça à un artiste, là, un artisan, de promouvoir le rôle de l'œuvre. C'est pour ça qu'on nous était même à soi, mis étoiles à pébriller pour faire marée noire, réquiller, peine en l'Irak, peine en l'Asie. La cause est dans toi, se tient-nous les guerres de la mer, l'insolidarité. Travail volontaire, droit humain, pays dans tracas, pays dans foyer, dormi la porte ouverte. C'est qui joli, fais-nous les qui flottent dans l'extase. Petit poème, mélodie. Une table de poulet pays, six fois d'épines, nous l'héritage. Cadence, balance les reins, nous sentons ensemble, nous les frères. C'est pour ça qu'on nous dépit partout. La mer libre, du sable endoré, les cieux pélagnas, la brise d'Orphéas. C'est pour ça qu'on nous guettait même à soi, mes étoiles à fait briller, pour faire mal et noir, réquiller, pénin en Irak, pénin en Asie, faudrait un atout. Rodrigue est la plus petite île des Mascareignes, aussi appelée la Cendrillon. Elle est située dans l'océan Indien, à 560 km au nord-est de Maurice, 900 de la Réunion, 725 du sud de l'Inde. Sa superficie totale est de 108 km².
Port-Mathurin est le siège de l'administration et un peu plus de 40 000 personnes habitent à Rodrigue. C'est pour ça qu'on nous était même à soi, mes étoiles à périer, ou faire marée noire, réquiner, mais la miracle, mais la magie, faudrait la tour pour faire un ciel. La musique de Rodrigue, riche de traditions, est née de la fusion de différents styles musicaux, africains, malgaches et européens. La forme la plus ancienne est le Séga Tambour, qui fut inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en décembre 2017 par l'UNESCO. Le Séga Accordéon est quant à lui hérité des différentes périodes coloniales. Cette musique, appelée aussi Séga Salon, est accompagné d'un accordéon diatonique et de danses traditionnelles occidentales comme la valse, la polka, la mazurka, scottish et bien d'autres. À l'époque, il était proscrit de jouer du tambour en même temps que l'accordéon. Le rythme endiablé du tambour et la fougue mélodique de l'accordéon se sont rencontrés en chemin très tardivement et ont laissé place à de nouvelles musiques et danses métissées. Et le gouvernement national a fait voter la loi à l'Assemblée nationale en novembre 2001. La loi sur l'autonomie, tous les partis politiques mauriciens ont voté pour l'autonomie de Rodrigue. Et ça, c'est une révolution dans les relations entre Maurice et Rodrigue. La première assemblée régionale de Rodrigue, l'autonome, a eu lieu le 12 octobre 2002. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous célébrons les 15 ans de l'autonomie après tant de combats. Et je dois dire que c'est le plus grand cadeau que la République de Maurice a donné à Rodrigue et aux Rodriguais. Et c'est pourquoi le Premier ministre à cette époque, M. Aniru Chagnat, qui va venir à Rodrigue là pour les 15 ans de l'autonomie, il a dit « Rodrigue, vous connaissez vos priorités, vous avez la capacité, montrez-nous ce que vous pouvez faire. » Et aujourd'hui, après tant d'années, après 15 ans, nous avons montré ce que nous pouvons faire à Rodrigue. Et tout ce travail qui a été fait à Rodrigue sort de l'intelligence, de l'esprit et de la volonté des Rodriguais. Voilà donc le ministre Mentor. Nous, dans le gouvernement, nous avons décidé que Biza donne maximum ce qu'il est capable de donner, l'autonomie à Bande Rodrigue. Et ça, on peut y aller avec toute franchise et sincérité, il ne faudrait pas personne et n'a aucun doute là. Bien sûr, il y a certaines choses qui pourraient rester dans la main du gouvernement central, mais à part ça, autant que possible, Iban Rodrigue prend responsabilité des de propres affaires internes ici. Rodrigue has waited for too long, and that it was high time that it should be given a status with maximum internal autonomy.
Aujourd'hui, Rodrigue a ses propres enseignants, ses propres médecins généralistes et infirmiers, ses policiers et ses cadres dans à peu près tous les domaines. Le développement des infrastructures est en cours avec un allongement de la piste de l'aéroport Plaine Corail pour accueillir de plus gros porteurs, un plan autour du port pour de plus grands bateaux, la connexion du câble optique pour l'Internet. L'arrivée de la fibre optique développera les secteurs des nouvelles technologies, de l'informatique et des communications, tout le secteur privé, celui du tourisme et les liens avec l'international. Après 15 ans, nous trouvons que tout Rodriguez peut commencer à récolter ben le premier fruit de l'autonomie. Qu'il y ait dans le secteur social, culturel, économique et politique. Cette année-là, thème nos célébrations, c'est nos rêves pour nos pays, Rodrigue. Mon premier souhait, c'est que nous tous, Rodrigue, nous montrer au monde entier qui nous capable de faire, Rodrigue, premier île écologique dans la région. La découverte de Rodrigue s'est faite par un navigateur portugais au XVIe siècle. De nombreux Européens y séjournèrent par la suite, sans jamais s'y installer définitivement. Ce n'est qu'en 1691 que les premiers colons s'installèrent en permanence sur l'île. La deuxième tentative d'occupation fut lancée par ordonnance du Conseil supérieur de l'île Bourbon en 1725, au nom du roi Louis XV, afin d'y installer un centre de ravitaillement au cas où la nourriture ferait défaut à Maurice et à la Réunion. Ces premiers colons, 8 soldats et 13 planteurs, y amenèrent aussi 15 esclaves noirs, qui demeurèrent dans l'île à la suite du retrait des troupes françaises. L'île fut occupée par les Anglais en 1808 et servit par la suite de point de convergence de toutes les forces britanniques pour attaquer l'île Maurice. Rodrigue devint officiellement anglais à la suite du traité de Paris en 1814. Dès lors, l'île fut administrée par les fonctionnaires anglais ou mauriciens, agissant au nom de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. La conférence constitutionnelle de Londres en 1965, menant à l'autodétermination de Maurice, prévoyait qu'aux élections générales de 1967, Rodrigue deviendrait une circonscription à part entière du territoire mauricien, avec 2 élus rodriguais sur 70 au total pour le Parlement mauricien. Les élections de 1967 firent élire 2 candidats du PMSD, Parti mauricien social-démocrate, principal parti de l'opposition ne voulant pas de l'indépendance, comme plus de 97% des votants rodriguais. Maurice devint indépendant le 12 mars 1968. Les rodriguais ne fêtèrent pas l'indépendance ce jour-là. Le nouveau drapeau national n'y fut hissé qu'un an plus tard, jour pour jour, avec beaucoup de difficultés. L'éveil politique des rodriguais amena à la création d'un Island Council représentatif des demandes locales envers la République de Maurice. S'ensuit la création de partis politiques locaux, dont l'OPR, Organisation du Peuple Rodriguais, qui sera élu lors des élections de 1976. Après 25 ans de lutte, Rodrigue fut officiellement autonome dans la République de Maurice le 12 octobre 2002. L'Assemblée régionale, alors en action à ce moment-là, s'affaira à combattre les inégalités, les difficultés économiques, les problèmes du chômage, celui de la pauvreté, de la production agricole, de l'immigration vers Maurice. L'autonomie apporta aux Rodriguais davantage de dignité, d'initiative et de liberté de décision. Ce spectacle des 15 ans de l'autonomie représente bien cette dynamique. Alors le show était à un bon niveau, donc je vois que depuis 5 ans, ça ne cesse de progresser. Et cette année-ci, bon, nous avons voulu raconter l'histoire de Jean et Jeanne à l'île Rodrigue et faire voir aussi au peuple de Rodriguais que l'autonomie peut nous permettre aussi de créer pas mal de choses et de faire voir au monde entier ce que nous sommes. Donc pour moi, la fête était extraordinaire. Les 15 ans de l'autonomie de Rodrigue ont été l'occasion de proposer un spectacle exceptionnel dont nous avons voulu vous présenter quelques extraits.
c'est formidable. Et surtout, l'île Rodrigue, c'est une île familiale, très familiale, c'est ça que j'adore ici. Et moi, je trouve ils sont très, 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 très forts. Ouais. Il faut encourager et je trouve que c'est une bonne chose. Rodrigue a fortement évolué durant ses 15 années d'autonomie, en développant de nouveaux secteurs, tels que le tourisme, la culture, les infrastructures et le progrès social. Le budget de l'île en constante progression s'élève en 2017 à 4 milliards de roupies mauriciennes, soit environ 100 millions d'euros. Danseuse et chorégraphe, et j'ai fait partie du spectacle de ce soir. Donc, j'ai pas trop vu le spectacle, mais dans l'ensemble, dans les coulisses, on était tous concentrés, tous motivés, super excités, et on espère qu'on a vraiment fait le show, que tout le monde a été content. Bonne nuit, Zan. Hey, bébé. Et qu'un joli sister au mois de c'est Rodrigue nous rêve. Mais toi, compose une jolie santé pour moi, le valet possédé ce deux. Donc, c'est un show que je trouve à la hauteur des 15 ans de l'autonomie. Ça a demandé beaucoup de travail, bien sûr, mais ça a été à la hauteur parce que nous avons pu démontrer à travers le show la solidarité, la fierté et le travail aussi. Moi, je pense que s'il y a possibilité, les internationaux, s'ils pouvaient aider à Rodrigue, pour nous pouvons faire bouger un peu notre autonomie au niveau de la santé. Parce que nous avons encore beaucoup de problèmes au niveau de la santé. La gestion de la santé reste effectivement à développer, avec des besoins très importants en matière de médecine spécialisée. Il subsiste également de nombreux problèmes en ce qui concerne la gestion et le recyclage de l'eau sur l'île. Et la production d'eau reste encore insuffisante. Rodrigue connaît en effet de régulières périodes de sécheresse et la distribution de l'eau ne peut s'effectuer que tous les 15 ou 30 jours en moyenne. Le dessalement est actuellement proposé comme solution à long terme avec l'aide de pays étrangers.
l'Union européenne a apporté une aide précieuse de plus de 60 millions de roupies au projet grâce au Fonds européen de développement qui a financé des projets de captage d'eau de pluie, de réhabilitation de barrages, d'enfouissement des réseaux de distribution et d'aménagement de réservoirs. Une unité de dessalement solaire, autonome énergétiquement, première mondiale, est mise en place à Caverne-Bouteille. Les énergies renouvelables comme le photovoltaïque sont la voie adoptée pour le développement énergétique de l'île et son autonomie qui est liée. Rodrigue semble avoir pris son destin en main, même si certains domaines comme la santé, l'éducation, la propriété et l'emploi restent encore à développer. Attention. Il y a beaucoup de choses qui ont été différentes, comme c'est la première fois qu'on danse dans l'eau. Et quelque chose qui était très agréable, qu'on a tous aimé. Et on croyait que ça allait être difficile. C'est vrai, on a glissé un petit peu, mais c'était très amusant. Tout le monde a kiffé. Et je pense que ça a été le coup de cœur du spectacle. De Rodrigue. Hip hip hip. Voilà, la bousine soufflée. 15 ans d'autonomie, vive Rodrigue. Le gouvernement mauricien, quant à lui, conserve à sa charge la responsabilité de certains secteurs clés, comme la police, la sécurité, les douanes, le judiciaire, le contrôle des banques, des ports aériens et maritimes, des affaires étrangères. Rodrigue a fêté le 12 octobre 2017 son 15e anniversaire de l'autonomie dans le cadre de la République de Maurice. L'autonomie est l'occasion exceptionnelle pour Rodrigue de s'affirmer dans la République de Maurice et de montrer sa personnalité.
ça a été très bien, très authentique et je dirais très profonde du point de vue de l'engagement de ces participants, parce qu'ils ont mis un tableau vivant qui représente Rodrigue dans son aspect culturel, économique, social, avec toutes nos limites, hein, avec toutes nos limites comme une petite île insulaire. Mais moi, j'ai bien aimé et surtout, j'ai senti les battements du cœur de ces Rodriguez, les jeunes surtout. Partager au monde entier que cette petite île, c'est une petite île de rêve et ce serait bien que vous veniez visiter et prendre des trucs, emmener chez vous et emmener des choses de chez vous aussi et partager avec nous. Et comme ça, on pourrait vivre une petite famille tranquille. Rodrigue, donc venez découvrir la culture, notre danse, les gens ici, donc on a beaucoup à partager et on espère aussi apprendre d'eux, donc venez, on a envie de partager, de faire des échanges, voilà. Il est là, au milieu de l'océan Indien, très bien placé, très belle île, là où on vit tranquillement. Et je sais qu'à partir de maintenant, là, avec ces 15 ans de l'autonomie, si vous regardez sur la carte du monde, vous allez voir Rodrigue. Moi, j'en ai trouvé un avec Rodrigue dessus, et j'en suis très fier, c'est affiché à la maison. Et j'invite tout le monde entier à venir voir Rodrigue. Un quart de siècle de combat, l'Assemblée nationale mauricienne amendait le statut de Rodrigue et établissait de nouvelles structures sur l'île comme l'Assemblée régionale de Rodrigue. Et la République, sous le Prime Ministership de Sir Anrod Jugnot, établissait alors la décentralisation des pouvoirs de décision à Rodrigue même. Ainsi, 47 secteurs de responsabilité ont été accordés à une Assemblée régionale de 18 membres qui créa son conseil exécutif avec une dotation budgétaire annuelle. Les premiers membres de l'Assemblée régionale prêtaient serment le 12 octobre 2002. Depuis, une Assemblée régionale avec représentation proportionnelle de 21 membres est élue et nommée avec 6 commissaires et un chef commissaire. Les 15 ans de l'autonomie coïncident avec la reconnaissance de la musique traditionnelle de Rodrigue, le Sega Tambour, en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et bien d'autres charmes restent à découvrir à la Cendrillon des Mascarennes.